Ce programme vous est présenté par la VHS de Rudy. Le premier film rose pour toute la famille. Et on est de retour sur le plateau de 46 000% sport, c'est la 8e édition, je suis Dimitri Krakers, on va prendre beaucoup de plaisir comme d'habitude. Et avant de commencer ce JT, on va présenter Monsieur Caricature, dessinateur, qui est là dans les coulisses en train de faire des beaux dessins, de faire des caricatures. On va se régaler avec lui. Déjà un premier dessin, je crois. Yes, très très bon esprit et très beaucoup de pinceaux. Merci à toi, Gary. On se retrouve très vite pour un autre dessin sympathique. Euro de football toujours, c'est le Suisse Shaqiri qui a inscrit l'un des plus beaux buts de ces 5 dernières années. Un superbe ciseau retourné, un peu à la manière de Bakary Konté comme on a pu le voir ce week-end. Vidéo. Nouvelle rencontre décisive ce week-end entre l'ASM et le FC Visiteur. Bakary Konté, un temps incertain pour la rencontre à cause d'un grec avarié, est finalement bien présent sur le vert gazon. 69e minute de jeu, le feu follet Konté tente un ciseau retourné. Maladroit, l'attaquant se saisit du ballon avec les mains et se fait expulser à la surprise générale. Très très beau geste de Bakary Konté. Réaction de Caricature, toujours en dessin, qui nous fait un ciseau retourné. Joli, joli, très très bien vu, c'est pertinent. C'est tout ce qu'on aime. Merci à Gary, tu peux continuer à te mettre une murge. Tennis à présent, c'est Wimbledon qui a commencé et on va parler arbitrage avec un arbitre très controversé. Nous avons fait un reportage sur lui. C'est un reportage signé Pierre-Emerick Le Nervuré. Jean-Benoît Levrézier a été diagnostiqué chelou il y a de cela 5 ans. Jean-Benoît tente tant bien que mal de s'épanouir en tant qu'arbitre accompli. D'où faute, elle est en plein milieu là. Mais t'es en train de montrer quoi, là? Deuxième service, Italie. Lettre 40-0, singe. Ah! Manifestement, il reste encore quelques séances de travail chez le psy pour ce bon Jean-Benoît. Victoire, Italie. Serrez-vous la main pour le fair play. Merci. Singe, ça part en douche. Très très beau sport que le tennis. Et réaction de Gary à l'instant en dessin qui nous dit c'est toujours mieux que le pénis de table. Joli le petit jeu de mots que je viens de comprendre. Très très fin, très très subtil. Merci à toi Gary. À présent sur le plateau, je vais accueillir une personne extraordinaire. C'est Monsieur Valéry Complet, coach de vie très très influent. Plus de 8 millions de suiveurs sur Instagram. Bonjour à tous, ça va Dimitri? Ça va et vous? Ça va très bien, merci à tous, bonjour et bravo à toute l'équipe technique qui fait un travail formidable pour rendre cette émission aussi excellente qu'elle est. Que dire à part que ça nous fait un plaisir immense de vous recevoir. De vous recevoir, tu me vois maintenant? Alors que je suis quand même ton mentor, je te rappelle. C'est vrai qu'il fut un temps, Valérie m'a coaché. Je l'ai coaché. Quand j'étais au plus mal. Ouais. Ouais, d'ailleurs, pour savoir ce que Dimitri était avant, je vous propose de regarder un aperçu. Si tout se passe bien, dans 50 ans ou 60 ans, je vais crever. Titi. C'est vrai que, ouais, après, c'est vrai que j'ai pas trop envie de montrer cet aspect de moi. Comment ça, tu... Bah, j'ai un peu honte. Tu t'infliges ce qu'aucun de tes ennemis, oui, les plus féroces, ne t'aura infligé. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que toi-même tu te dis. Ce que tu dois écouter, c'est que ce que tu te dis toi-même en pensant aux autres qui te le disent peut-être. Alors, t'es aussi là pour nous présenter ton DVD qui s'intitule Double M. Double M, mental, mental et muscles. Et muscles, voilà. On va balancer, si tu le veux bien, des extraits de ton DVD. Est-ce que t'es d'accord? Évidemment, évidemment. Balançons des extraits du DVD tout de suite. Si on peut envoyer ça en régie, Fred à la régie, si tu peux t'entendre. Yes, merci à toi, merci à toi. Le plus important dans la vie, c'est d'abord d'être ordonné. Non pas coordonner, coworking, travailler ensemble, avancer ensemble. Non, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Je suis en direct de Toronto, 3h du matin. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est là où je veux aller. Ce sont mes doutes qui m'empêchent d'avancer. Et là, c'est ce que je suis. Je suis moi. Je veux aller là-bas. Je ne peux pas. Parce que c'est le doute. Ça le pute. C'est tout. Il faut la baiser, cette biscotte. La question n'est pas là. L'eau, on y revient à l'eau. On ne peut toujours pas attraper l'eau. Non, c'est comme l'air. Je dois attraper de l'air. Pourquoi les gens se sentent obstinément dans l'obligation de s'infliger ces mauvaises pensées? Pourquoi rajouter du café dans l'eau
Quand finalement, on n'aime pas le café, on ne veut que de l'eau. Oh. Et voilà, on s'est régalé avec ces images. Une réaction de caricature, notre caricaturiste, avec un dessin. Valérie Complet avec sa grande gueule et sa petite... ouais. Alors, c'est pas mal du tout. Hein, ce petit trait d'humour là de Gary qui est très très en forme. C'est quoi l'intérêt de ça? Non mais je comprends pas l'intérêt de ce taf là, de ce Gary mes couilles là. Qu'est-ce qu'il veut? Oh. Mais non mais prends lui, pas. C'est quoi? C'est un técos de merde là. Il fume des roulés, il fait des technivals l'été. Il veut quoi lui? Il se lave pas les cheveux, il a des chicots jaunes. C'est pas mon problème s'il est dans un groupe de métal qui perce pas. C'est bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Il fait ce qu'il peut, il fait des dessins pertinents. Il est où Gary là? Gary, il est dans le box 4. Il est en train de bosser depuis ce matin comme un fou. Oh, je bute trop vite. Valérie. Je t'encule. Il est où l'enculé, toi? Hé, toi, le codo, là! Moi, t'as aucune connaissance de ma vie, connard! T'es qui pour juger, toi? Hein, t'es qui? Moi, j'ai une petite bite, toi, tu vas bouffer ma bite, ouais! Ah, ouais. La bite de ton oreille, là! Ah, tu vas penser à ma bite, là! Ah, tu vas perdre ton oreille, ma bite, là! Oh. La bite de Valérie, elle est grosse, ok? Voilà, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, en télévision. Avant de se quitter, on va se retrouver avec le tweet de la semaine. C'est signé Guillaume Ponche qui nous envoie. Ah, c'est le retour de Valérie. C'est la table. Enfin, on est sur un plateau, donc. Ok. Très très bien. Donc on se retrouve avec la photo. Guillaume Ponche qui nous dit les chaussons officielles, tout en finesse. Hashtag 46Casport. Merci à lui, c'est super. Super, super sympa. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de bonne humeur et de plaisir. Merci à Valérie Complet. À la semaine prochaine, France. Merci à toi Valérie. Putain, t'as déjà cassé la gueule à Gary. Arrête. J'ai passé un bail. Arrête. Je veux juste avoir des gens qui parlent. Tu veux de l'amour, c'est ça? T'as Viens. Voilà, c'est ça. Voilà, laisse couler.